Bonjour à tous et à toutes, nous sommes pour une vidéo commentée sur APB All Point Bulletin. C'est un petit jeu que je vais faire bientôt un test dessus, donc vous verrez, je vous expliquerai vraiment tous les détails du jeu et tout ça. Si vous voulez savoir, ou peut-être pas en fait, peut-être je peux le faire maintenant. C'est un jeu gratuit sur PC. C'est un free-to-play, voilà c'est ça, un free-to-play qui était payant avant, qui était payant 50€, et le truc qui était défaut sur ce jeu, c'était qu'en fait vous avez 50 heures et après vous devez payer encore, et payer par carte de crédit. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible, donc c'est pour ça que le jeu a fait faillite hein, en 2010. Le jeu a fait faillite en 2010, et donc maintenant il y a... Je sais pas comment dire ça, mais il y a quelqu'un qui l'a pris, qui a repris le jeu pour nous faire un free to play que tout le monde peut y accéder et c'est gratuit pour tout le monde. Bien sûr, on peut payer encore par carte de crédit pour être pour avoir plus de choses que les autres et être mieux armé. Donc ça, oui, on peut aussi. Donc voilà, ce qu'on fait, en fait, on peut appuyer voilà sur la carte et on atterrit directement dans un centre où on peut prendre nos balles. Il y a un petit lag. Où on peut prendre nos balles et recharger nos grenades. J'ai gagné ça il n'y a pas longtemps. Là, je vais. Faut que je les installe en plus. Donc, les grenades percussion, c'est super costaud. Là, j'ai acheté aussi les grenades normales qui ressemblent à. Merde, j'ai fait une connerie, d'accord. Attendez 2 secondes. Même pas, je n'ai pas fait une connerie. Voilà, je vais les mettre. Attendez, j'appuie sur L. Est-ce qu'on peut. Non, c'est sur I. Et là on peut mettre des skins aussi, des couleurs, regardez, on peut mettre des couleurs sur nos armes. Là je peux pas parce qu'en fait il faut les payer, donc je peux pas. Et plein de couleurs, vous pouvez avoir la couleur française, je sais plus où elle est là, couleur française. Vous pouvez avoir des autres armes aussi, ça peut, voilà, vous avez surtout, là ils l'ont mis il y a pas longtemps en plus, donc voilà, c'est plus intéressant. On va mettre les grenades à percussion, voilà. Au moins ça c'est mis, voilà c'est nickel. Donc au moins là je suis tranquille. Donc là on est en mission. Et donc là on est en train de perdre, d'accord, et c'est déjà fini. Bon bah c'est tant pis hein, on a fini. Ils m'ont mis dans une mission en fait qu'on a fini déjà, qu'elle est finie. Donc c'est pas grave, moi j'ai gagné des sous, 74, c'est pas beaucoup. Ensuite là on a un garage. Un garage où on peut prendre nos véhicules qu'on a acheté ou qu'on a personnalisé. À notre goût. Donc là je suis en flic, donc en policier. Donc voilà, j'ai fait ma petite voiture française. Ça je l'ai acheté sur le truc, mais ça c'est un autre problème après. Voilà, on peut aller dans notre voiture. On a des musiques. On peut mettre n'importe quoi comme musique. Là, je vais vous mettre ça, une musique. Avec le gyrophare aussi, on peut le mettre. On peut le couper, on peut le mettre. Et donc là, on peut mettre K en fait en haut et on peut commencer une partie. Donc voilà. Vous voyez quand même, c'est plutôt sympa pour un free to play qui était avant un vrai jeu, hein, qui coûtait 50€ et vous avez 50 heures de jeu dessus et pas plus. Donc ça, c'est ce que j'avais voulu acheter moi. Hein. Je pourrais vous montrer la boîte la prochaine fois peut-être. Je jouerai. Et donc voilà, là on va commencer une partie. Go, c'est parti, on va commencer, on va essayer d'en trouver une déjà partie. Voilà, on a trouvé la partie et il y a marqué là-bas un petit point où il y a marqué protégé. On est 3, on est 3 là pour l'instant et il va y avoir des ennemis qui vont essayer de péter cet objet ou casser ou voler l'objet à protéger. Parce que devant il y a des gangsters et en fait il faut les arrêter, c'est flic contre gangsters un peu. Voilà. Là c'est un peu loin, ça 360 mètres à peu près. Bon, c'est un jeu sympathique si vous avez un bon ordinateur assez puissant, vous pouvez le faire tourner. Moi avec Trap je lag un peu mais ça va encore, ça c'est raisonnable. Donc là voilà, il est en train de se faire prendre le point là. Je vais me faire tuer moi parce que je suis pas très fort donc le jeu. Je l'ai tué, il y en a un autre. Donc ils ont activé le point, ils ont détruit le point. Donc là il y a des gens qui parlent en plus et tout. On s'en fiche un peu. Et donc dès que les gens ont pris le point en fait il faut les tuer. C'est ça le truc. Et eux aussi peuvent nous tuer. Ils savent où on est, on sait où ils sont. Donc là je vois un gars.
Ça c'est fait. Il y a un gars un peu plus loin là-bas. Ouh là là. Non, pas ça, je vais crever. Ils ont un sniper en fait, et dès qu'on a un sniper, on crève. Donc, faut faire très attention. Il est là-bas. Je l'ai eu, c'est bon. Et donc, dès qu'on en tue, là, on a en fait un classement où on peut voir les armes qu'ils ont. Et là, on a à peu près les mêmes armes. Là, regardez les autres, ils ont beaucoup d'armes, ils sont balèzes. Moi, j'ai pas tellement... Bon, j'en ai tué 3 pour l'instant. Oh, il est derrière moi, un peu discute, mais voilà. Donc là, je vais terminer le boss parce qu'il y en a un qui parle. Désolé, je bois un truc en même temps. Ouais. Et donc... dès qu'on a tué en fait tous les mecs, en fait en haut il y a un petit point vert, vous voyez, vert et rouge, qui vont en fait nous faire gagner ou perdre. Faut voir si on fait perdre ou gagner. Ah, il m'a écrasé, vous voyez, on peut nous écraser aussi. Simple et rapide. On peut nous écraser. On peut écraser aussi nos coéquipiers, mais à ne pas faire, surtout si c'est vraiment qu'il faut gagner ou pas, hein, parce que si vous gagnez pas, ben vous allez perdre. Donc là, ils ont l'avantage par rapport à nous. Ils ont l'avantage, donc on va essayer de les shooter là. Lui, mon gars. Magnifique, là je peux sortir. Protégé. On va l'avoir. Oh, je l'ai pas eu, j'y crois pas. Non, c'est pas grave. Mais j'aurais pu quand même l'avoir. Et donc après, dès qu'on finira la mission, si on a gagné ou pas, on gagne de l'argent qui pourra nous faire aller dans une ville ou enfin dans une ville, acheter des choses, pour aller acheter des choses ou pas. Voir, on va prendre pour voler une bagnole de quelqu'un. Je suis flic, allo, bobo. Allez, je suis là. Et on y va. En fait, là, ils savent où on est et eux, on sait où ils sont. En fait, on va passer par là. Donc, on va essayer de les tuer, on va essayer de les prendre par traite, mais ils savent où on est et moi, je sais où ils sont. Donc, ça, c'est assez ballot. Donc, ils sont pas loin là, donc on va essayer de les prendre par derrière. Ça va être assez difficile, mais on va essayer. Mais en plus ils savent, je crois, où on est, donc oui, ils savent où on est, donc ils m'attendent là. Là on peut changer de côté en fait pour savoir où on va. Voilà, regardez, ils essayent de me viser là. Regardez. Vous avez vu? Ils sont en train de camper comme des porcs. J'ai failli crever en plus. Donc on va attendre. Ils sont là-bas. Le truc là, c'est qu'on peut pas faire grand chose. Bonnes armes, vraiment des bonnes armes. Trois, deux, un, go. L'autre il ne viendra pas derrière moi. Donc j'aimerais bien jeter mes grenades là. Grenade à percussion. Bon, de toute façon ce sera impossible, on ne pourra pas les avoir. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va camper. Regardez bien ce qu'on va faire. Sauf s'il arrive à me tuer. Oui, c'est bon. Je sais pas, je crois qu'il y en a un deuxième, non? Là on a perdu, hein. Comme vous voyez, on n'a pas l'avantage, donc on a perdu. Voilà. J'ai gagné 286, et donc voilà comment ça marche en fait à PB. C'est un peu un test en fait, je fais le test, hein, parce que ça sert plus à rien si je veux faire une deuxième vidéo. Donc voilà,
Dès qu'on a fini ça, on peut recommencer une autre mission, mais je n'ai pas envie. Donc on va aller dans un autre quartier. On va aller sur Social District. C'est où on peut changer nos habits, on peut faire des voitures, on peut faire plein de choses. On va dire c'est un peu un GTA-like. Moi je veux dire un peu mieux fait. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, on a une assez grande carte. En fait là c'est les terroristes, on pourrait dire ça, et là c'est les flics. Donc c'est chacun son endroit bien personnalisé. Et on a le droit aussi d'y aller là-bas, mais il y a des endroits où on peut pas. Donc là c'est le coin où il y a les voitures, où on peut voir toutes les voitures, on peut même afficher notre bagnole qui sera voyant par tout le monde. Bon là vous voyez des voitures des autres. Elle s'affiche après, c'est normal, c'est les chargements. Là voilà il y a la mienne. Belle hein, quand même. Enfin elle est belle, elle est bof. J'ai pas d'autres voitures en fait pour l'instant. Donc là c'est pour tout le monde en fait. C'est le garage pour les terroristes et les flics. Donc là on appuie là-dessus, on met F. Et là on rentre dans notre garage, dans le sérieux en fait. Et comme on dit, quand on rentre dans le sérieux, on rentre vraiment dans le sérieux. Voilà. Donc là on peut personnaliser notre voiture en entière. On peut gagner des objets et tout pour en avoir. Donc là vous voyez j'ai le béquet, je porte des béquets. Je peux pas les voir, mais je peux quand même les regarder. Voilà, je peux avoir tout ça. Je peux avoir tout ça, c'est plutôt sympa. Je les ai toujours pas eu. Je peux changer de mode sirène, je peux changer plein de choses. L'avant, j'aimerais bien le gagner. Je sais pas quand je le gagnerai. Cette PC n'est pas encore débloquée. Les roues, je voulais mettre en noir déjà. Oui, voilà, en noir, ça fait joli. Le blanc, c'est pas mal, mais noir, ça fait plus sobre, c'est plus joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer en fait la voiture. Parce que je voulais la changer, je voulais la mettre noire. C'est pas extrêmement beau en fait. Je croyais que ça ferait plus joli, mais non. C'est pas beau. En rouge peut-être. C'est pas beau, pas beau. C'est pas joli. Donc ce qu'on va faire, on va faire quoi? On pourrait faire quoi sur cette voiture? Bah pas grand chose en fait. Hein. Ouais, je la laisse comme ça. Voilà, on peut faire plusieurs choses. On peut mettre des symboles. On peut mettre des symboles. On en a plein. Que vous pouvez gagner. Là, vous aurez à peu près que ça pour l'instant. Après, vous pourrez gagner quelques ça. C'est des jolis dessins. Ceci, cela. Voilà, vous avez plein de choses. Plein de choses. Qui peut faire vraiment bien. Comme Monster Energy, vous pouvez créer votre chose et tout. Monster Energy, vous pouvez le faire. Vous avez vraiment beaucoup de choses, voilà, vous pouvez les gagner, moi j'ai pas tout gagné non plus. Et donc vous pouvez aussi éditer votre photo. Voilà, moi j'ai édité plusieurs choses comme le français, voilà. Vous pouvez mettre des choses, n'importe quoi, vous pouvez les agrandir, les rapetissir, les mettre sur les côtés, vous pouvez vraiment tout faire ce que vous voulez, les tourner dans tous les sens, les tordre, vous pouvez les tordre aussi de l'autre sens, vous pouvez aussi faire ça, voilà, les mettre bien droit. Et donc voilà. Et ça, pour les mettre des deux sens si vous voulez faire un truc pas mal. Donc ça pour revenir en arrière bien sûr. Voilà. Et donc voilà. On peut mettre aussi des derrière pour voir mieux. En fait, pour voir super mieux. Quoi. Voilà. Vous avez des derrière. Vous pouvez mettre blanc, vous pouvez mettre gris. On a gris pour l'instant. Mais vous pouvez mettre d'autres couleurs. Si vous ne voyez pas assez bien votre logo. Et donc voilà, là vous avez toujours les dessins sur les côtés, vous pouvez les mettre, hein, n'importe quel dessin, genre la toile d'araignée, voilà, vous pouvez la foutre comme ça, la déplacer, voilà, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, hein, mettre une tête de tigre hein, ici, comme vous voulez, ça je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal, ça aussi c'est très joli, ça franchement c'est très joli, je vais peut-être la mettre sur ma voiture, ça aussi c'est plutôt sympa, ah le Canada. Le Canada, ça je pourrais pas mal aussi. Ils ont de la chance, les Canadiens. Toile d'araignée avec une araignée dessus, ça peut être sympa. Faire Spider-Man un peu. Et donc voilà, moi j'ai des trucs là. Et on peut, avec ça, on peut faire un Monster Energy et tout. C'est plutôt sympa. On peut le faire facilement en plus. C'est super simple. Donc voilà. Et donc après ça, vous pouvez vouloir enregistrer normal quoi. Oui, enregistrer, voilà. Non, moi j'enregistre pas. Donc voilà, on peut annuler maintenant. J'annule. C'est normal, j'ai pas envie que des gens les laissent comme ça. Elle est plutôt moche, mais c'est pas grave. Et donc ma première voiture que vous aurez peut-être vous, ce sera une voiture comme ça, que moi j'ai habillé bien sûr. Ce sera une voiture comme ça qui ressemble un peu à une Audi. Ça ressemble un peu à une Audi, donc voilà. Et là vous pouvez acheter toutes vos bagnoles que vous voulez.
Voilà, vous pouvez acheter une Balka, Zakuzuhira. Oui, vous la voyez. C'est pas la même chose, hein. C'est la puissance aussi. Vous pouvez voir la puissance sur les détails. Vous pouvez voir vraiment la puissance qu'ils ont. Voilà, celle-là que j'avais, moi. J'ai acheté 15 000, elle était assez chère, quoi. J'avais le 4x4 aussi, je l'ai acheté, le 4x4, et je l'ai revendu pour cette voiture. Donc voilà. La Evan VO, elle est plutôt sympa aussi, elle roule pas mal vite. Elle a une bonne puissance, vitesse max, elle aime pas mal aussi. Je crois qu'elle me grille. Non, pas trop quand même. Mais elle est puissante. Celle-là, ce sera, voilà, ce sera celle-là que vous aurez, voiture, la même voiture comme ça. Après, vous pouvez tout dégager, hein, tous les trucs qui vous intéressent pas. Après, peut-être vous aurez celle-là. Plutôt joli aussi. Après les Parkner, hein, c'est les gros camions pour voler. Si vous êtes terroriste, enfin je sais pas comment on dit, mais c'est un genre de truc comme ça. Si vous aimez voler dans les magasins et tout. Patriot aussi. Plutôt sympa. Pas testé encore, mais il est vraiment joli. J'aime bien. J'aime bien. 30 000, c'est beaucoup. Celle-là, voiture de flic qui est plutôt jolie aussi. Très très jolie, j'aime bien. Jolie couleur, machin. J'aime beaucoup. Vitesse, pas très beaucoup, mais c'est pas grave. Nouveau véhicule, voilà, j'avais aussi celle-là. Celle-là, c'est celle-là que je veux m'acheter, donc bientôt, là, je vais m'acheter. Donc, j'aurai bientôt les sous, bientôt. Donc, après, je pourrais la tuner, on pourra mettre des pare-chocs de tuning et tout, ça va être bien. Et donc, après, vous pouvez plusieurs voitures, hein, vous avez celle-là, qui est plutôt sympa aussi. Et après, des voitures qui sont bloquées. Parce qu'il faut être niveau, en fait, avec nos collègues, qu'on fait des missions et on gagne des niveaux. Donc, voilà. Et voilà, on peut avoir plusieurs voitures. Je vais vous mettre dans les voitures assez puissantes, comme celle-ci. Assez chère aussi, 40 000. 40 000 la voiture, c'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Vous avez la puissance aussi. Les 4x4 qui sont très jolis. Je l'ai eu celui-là, ce 4x4, un jour, quand j'avais vraiment payé le jeu. Voilà, vous avez vraiment des jolies voitures qui sont bien sympas. La mienne, mais ça sent plus cher, quoi. Et la vitesse est maximale, un peu plus de cadence, de petits machins. C'est plutôt joli. Voilà, vous avez encore plus cher, 135 000. Voilà, vous voyez, hein, vous voyez la différence là-haut. On peut gagner on peut mettre des petits trucs, des bonus pour que la voiture elle se casse moins, pour que voilà, vous voyez, vous me comprenez, pour peut-être qu'elle roule plus vite. Voilà, 300 000, un truc de plus encore. Vous pouvez tout mettre. Vous pouvez acheter aussi les voitures en ligne sur un autre truc, mais je vais vous expliquer après. Vous avez aussi ceux-là qui font un bon bruit. Franchement, elles sont super, celles-là, elles font un super bruit de fou. Très très joli. On va vous mettre dans les vraies voitures super populaires. Donc ceux-là sont populaires, c'est des gros 4x4 populaires. Voyez, un bon bruit, joli petit bruit. Ces 4x4, ils sont vraiment excellents. Si je vous dis de les acheter, c'est vraiment, faudrait vous les acheter. C'est vraiment trop marrant, ces 4x4. Si vous roulez avec, vous éclatez. Vous entendez le bruit déjà, c'est un bon bruit. Après, vous avez vraiment les trucs sérieux comme celle-ci, que c'est sûr que ça, moi, ça me fait rêver. Les voitures comme ça me fait rêver. Regardez, écoutez le bruit un peu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est des voitures qui fait rêver. Celle-là aussi qui est plutôt sympa. Et puis après, quand vous les trafiquez, vous avez un sacré moteur. Regardez la voiture. Attends, vraiment le bruit, c'est vraiment bien fait, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous faire montrer d'autre? Je peux vous faire montrer bah, plus rien, parce que j'ai plus rien. Donc en tant que flic, on a pas mal de voitures, ça c'est sûr. On a vraiment beaucoup de voitures. Mais en tant que terroriste, on a vraiment des Mini Cooper et tout, c'est vraiment joli aussi. Donc moi perso, je suis terroriste, enfin un policier, je veux dire. Et voilà, donc voilà. On va retourner au véhicule, je vais prendre mon véhicule et on se casse. Comme vous entendez le bruit là, en fait, c'est les gens qui peuvent mettre des musiques en haut. En fait, il y a un gros haut-parleur et tout, on peut mettre ses propres musiques et tout, c'est sympa. Donc voilà, là on a quelque chose où on peut vendre nos affaires, on peut vendre nos affaires, nos ventes en cours. Regardez, on peut mettre une nouvelle enchère si je veux, une amélioration. J'en ai pas. Armes, j'en ai pas. Coupons de vitrine, j'en ai pas. Thème, j'en ai. Vêtements, j'en ai. On peut mettre un t-shirt médium si on veut. C'est quoi comme t-shirt ça? Je regarde, ok. On va le vendre. Voilà ce qu'on peut faire. On peut vendre l'objet. On peut mettre prix de départ, on va mettre 200. Et puis prix d'achat, on essaye de mettre en fait 980. Allez, voilà, comme ça.
On met 24 ans, on peut mettre 2 ans, on peut mettre ce qu'on veut. Il y a des taxes sont imposées sur les vêtements, sur les ventes, excusez. Et voilà. Donc il y a des taxes en fait, c'est genre vous le vendez 5 000, votre truc, il vous prend 1 000 de votre poche parce qu'ils l'ont mis 24 heures. Donc voilà. Après ça dépend, hein. 2 heures, il vous prend pas beaucoup, 50 à peu près. Voilà. Moi je l'ai mis pour 8 heures. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après on peut aller chercher vraiment des vêtements des autres, mais ça coûte vraiment trop cher, je trouve. Il y a peut-être des trucs qui sont sympas, mais il y a des trucs vraiment qui sont vraiment abusés et très très chers sur les types de vêtements. Donc voilà, ça c'est joli, ça va, c'est joli. Pour le prix, non, ça le fait pas, mais c'est vraiment, c'est cher, quoi. C'est vraiment très cher. Regardez, 5 000, 7 000 pour un chapeau. C'est quand même un petit peu cher pour ça. Voilà, donc après on peut mettre des chansons, vous pouvez vendre vos chansons, regardez, écoutez, il y a des pas mal, des chansons pas mal. Des chansons que vous connaissez et tout. Ouais, ça ressemble un peu à de la merde, hein, quand Et donc, vous allez me dire comment on peut faire ça? En fait, on a un truc exprès dessus où on peut faire nos propres musiques et les mettre sur notre truc. Après, on peut les écouter et tout ça. C'est plutôt sympa. Et je vous dis franchement, les gens qui font ça, c'est vraiment des super forts. Hein, parce que moi, j'ai été à tester, c'est super dur. C'est vraiment bien, hein, franchement, j'aime bien. Arrêtons de retirer. Alors, on peut mettre à améliorer un champ de vêtements. Le meilleur, ce que vous pouvez vendre, franchement, si vous voulez vraiment vendre des trucs, attendez. Si vous voulez vraiment vendre des améliorations, je vous dis vendez-les. Si vous tout voulez carrément acheter une amélioration, faites-le. Vous achetez une amélioration qui coûte 1 000. Moi j'ai acheté une amélioration qui coûte 2 000, je crois. 2 000, je crois que c'est le rechargement automatique. Je l'ai vendu ici. Il était à 200. Je l'ai vendu 200. Je me suis dit, vas-y, je le vends 200. J'ai gagné 5 000 dessus. 5 000. Imaginez, 5 000. C'est quand même beaucoup. 5 000, ils m'ont pris 1 000, donc ça me fait 4 000. Mais c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment bien. Vendez-les, c'est vraiment une bonne somme. Hein. Vous pouvez toutes les vendre, chargeur amélioré et tout. Donc voilà. Je vous ai à peu près tout expliqué sur tout le jeu à peu près, hein. Comme je vous ai dit, hein. Ça bas après là-bas il y a les trucs des vêtements, vous pouvez regarder, mais franchement je vous laisse découvrir le jeu après. C'est un super jeu qui est super excellent, super super excellent, pas français. Bon, vous pouvez le regarder, il est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description, ce sera sur abp.com, et vous le téléchargez sur votre ordinateur gratuitement et tout. Donc voilà, putain j'ai un lag. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bien sûr, là c'est les trucs des vêtements, vous voyez les autres aussi. Il y a les vêtements, il y a les trucs pour création de vêtements, voilà, plein de trucs. Il y a les tatouages aussi et tout, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. J'en vois une là, plutôt sympa son truc. Et puis voilà, il y a des vraiment jolis, quoi. Vraiment très beau. Si celui-là, super joli aussi, pas mal bien fait. Pas mal bien fait aussi. Ça aussi, pas mal. Moi le mien aussi il est plutôt sympa. C'est joli. Donc voilà, ils se mettent là. C'est en fait c'est les nouveaux habits ça qu'ils ont. Qu'il y a eu là, pas, il n'y a pas longtemps, il y a eu des nouveaux habits et ils les ont. Lui là. Après les autres, je sais pas. Elle non. Lui, je sais pas, mais c'est vraiment bien fait quoi. Vraiment joli, ils font vraiment de jolis trucs. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo test, hein, de ce jeu APB Alpine Bulletin. Je vous ai pas tout fait montrer non plus. Donc là aussi, vous pouvez voir les messages qui vous disent. Hein, ils peuvent vous dire, voilà, bon, c'est pas en anglais, vous l'avez en français. Hein. Parce que des gens, si t'as bien fait ton travail et tout, t'auras plus d'argent. Voilà. Donc voilà, ça se marche comme ça. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être test ou une vidéo sur une autre jeu, je sais pas. Allez, à bientôt pour un prochain numéro. Ciao, ciao les amis.